Ni les marchés financiers, ni les agences de notation ne peuvent empêcher une banque centrale de créer de la monnaie. La Banque centrale européenne ferait bien mieux d'utiliser ses 60 milliards d'euros mensuels, non pas pour acheter aux banques les dettes des États, mais pour financer les projets d'infrastructure en Europe. Dans ce cas, elle pourrait transférer directement ses fonds à la Banque européenne d'investissement.